Mais c'est quoi ces enfants qui dorment pas la nuit? Moi je pensais que c'était autonome un enfant, un peu comme un Ouïghour. Hop, tu lui donnes une aiguille et des tissus, il te fait un pull Nike, ben voilà. Je comprends pas le mien, je lui mets la télé pépère avec TPMP et il dort pas le gamin, c'est fou ça, jamais content. Ah, puis j'aurais peut-être pas dû lui mettre la sextape de sa mère avec le voisin, c'est de ma faute. En plus, je voulais faire encore plus plaisir, tous les soirs avant de dormir, je lui offre un verre de coca. Et pour me remercier, qu'est-ce qu'il fait? Il dort pas, mais c'est dingue ça. Dès demain, je vais lui mettre un cocktail à la Palma, je peux te dire que ça va être une autre ambiance. Hein. Alors, certains disent que sous prétexte qu'il fait 15 degrés dans sa chambre, il dort pas, mais oh, t'as vu le prix du chauffage, toi? Mon pote te fait un effort, hein. Il se rend pas compte, le gamin. Hein. Et puis, pour le réchauffer, moi, je le fais dormir avec ses deux sœurs, ses trois frères et une équipe de rugby qui fait la troisième mi-temps juste à côté de son lit. Ça crée une ambiance. Il y a de la vie, il y a de la vie. Bon, j'espère juste qu'ils finissent pas à jouer à la biscotte, quoi. C'est... À même un moment, je pensais que c'était l'enfant du voisin qui pleurait. Et je me dis, c'est vraiment des mauvais parents. Hein. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était le mien. Mais bon, c'est des mauvais parents quand même. Non, puis en plus, il crie mon gamin et du coup, j'entends pas quand mes voisins font l'amour. C'est mon seul plaisir. Quand t'es parent, tu prends le plaisir où il est. Il y a des moments, il me réveille tellement les nuits que je me dis, je vais travailler de nuit, comme ça, je m'en occuperai pas la nuit. Et puis le jour, il va à l'école, donc. C'est pas con en fait, hein. Voici deux manières pour faire dormir vos enfants. Manière 1, tu fais un tour avec lui en voiture et là il s'endort. Moi j'ai une autre technique, je fais un tour en voiture mais sans lui et je dors en Formule 1, je dors très bien comme ça. La vie nabab. Deuxième solution, le faire dormir avec de la musique. Moi ça marche pas, je l'ai fait dormir avec du Rammstein à fond. Hein, et il dort pas. Et puis en plus j'ai l'impression qu'il fait des rites de sacrifice avec ses peluches. Mon vrai petit conseil, c'est il faut le mettre devant des trucs chiants, le faire écouter des trucs chiants. Donc raconte-lui ta vie de merde au boulot ou fais-lui écouter Europe 1. Soit il s'endort, soit il devient raciste. Ce qu'il faut se dire pour se rattraper, c'est que là c'est toi qui te réveilles, mais dans 50 ans, c'est lui qui se réveillera pour changer tes couches. Et là tu pourras te venger.